Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Baisse des réserves de change dont dispose l'Algérie. Elles auraient décliné de 15 milliards de dollars l'an dernier. Un plongeon induit par la baisse des revenus issus des exportations d'hydrocarbures et la hausse crescendo des importations. Dangote Ciment s'étend au Cameroun. L'usine, dont le coût est estimé à plus de 50 milliards de francs CFA, a une capacité de production d'un million de tonnes de ciment par an. Les précisions dans ce journal. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Les réserves de change sont en chute libre en Algérie. Le pays a perdu 15 milliards de dollars en 2014, dont plus de 6 milliards au cours du seul dernier trimestre de l'année. Il est clair que le plongeon du baril est la principale cause de la contre-performance. Le cours du brut algérien est ainsi passé de 109,92 dollars au premier semestre 2014 à 65,83 dollars en fin d'année. Les explications à Demefa Kofi. Pour le compte du dernier trimestre de l'année 2014, les réserves de change en Algérie ont enregistré une baisse de 6,336 milliards de dollars. La banque algérienne explique cette situation par la baisse des revenus issus des exportations d'hydrocarbures et la hausse des importations. C'est toujours ce jeu entre les exportations et les importations. Les recettes liées à l'exportation des hydrocarbures ou de gaz et pétrole, plus elles sont élevées, mieux la balance est excédentaire, alors ça permet effectivement de financer les importations de biens et de services. L'Organisation des pays producteurs de pétrole, dans son dernier rapport publié le 16 mars dernier, indique que la moyenne des cours s'est établie à 52,92 dollars le baril en février 2015 contre 110,22 dollars en 2013, ce qui représente une chute de près de 52% en un an. Toujours en 2013, au mois de décembre, les réserves de change qui s'élevaient à 194 milliards de dollars sont passées à 185,273 milliards de dollars à la fin du mois de septembre 2014. Si certaines causes d'ordre national expliquent la baisse des revenus, il y a également d'autres facteurs qui ne relèvent pas de l'État algérien, selon certains analystes. L'OPEP a refusé justement de revoir sa politique qui aurait pu permettre justement de stabiliser les coûts du prix du baril. Tout cela pour, entre guillemets, punir les États-Unis à cause du pétrole, du gaz de schiste. La baisse des revenus issus de l'exploitation pétrolière conventionnelle a également renforcé la détermination d'Alger à tirer pleinement profit de ses ressources en hydrocarbures non conventionnelles, notamment le gaz de schiste. Samir a enregistré une perte nette de ses résultats. La société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage a réalisé en 2014 un résultat net négatif de 3,42 milliards de dirhams. Une chute record qui s'explique en partie par la dévalorisation de ses actifs détenus en stock due à la chute des prix du pétrole. Le groupe marocain a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 44,04 milliards de dirhams en recul de plus de 10%. L'entreprise se veut, cela dit, optimiste pour cette année et mise sur l'amélioration des marges de raffinage constatées sur les marchés internationaux au cours des derniers mois. Dangote Ciment, désormais disponible sur le marché camerounais. La mise en activité de la troisième cimenterie du groupe Dangote est désormais effective. En plus d'exporter le ciment dans la sous-région, cette usine va contribuer à la réduction de la pénurie de ciment que connaît le Cameroun, mais aussi en créant plus de 200 emplois, comme nous l'explique Aimé Fakofi. Un succès de plus pour le groupe nigérien Dangote. Sa cimenterie implantée au Cameroun est enfin opérationnelle. Installée à plus de 100 millions de dollars à Bonabéry, l'un des principaux quartiers de Douala, l'usine a une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an. Prévue pour être opérationnelle en début 2014, c'est finalement en mars 2015 que les premiers sacs de ciment sont mis sur le marché. Dangote Cement devient ainsi la troisième marque de cimenterie du Cameroun, après Cimencam du groupe français Larfage et Cimaf du groupe marocain Adoa. Dangote viendra
alimenter la concurrence, ce qui permettra certainement aux consommateurs et aux producteurs, aux constructeurs locaux de bénéficier certainement des tarifs préférentiels. Encore faut-il que l'État puisse légiférer là-dessus. Sur le marché camerounais, les prix du ciment sont homologués. Un sac de ciment est vendu à 4 960 francs CFA dans les 7 régions du Grand Sud et à 5 000 francs CFA dans le Septentrion. La demande annuelle en ciment oscille autour de 2,5 millions de tonnes pour une production nationale de 1,6 million de tonnes. Il faut observer quand même que le Cameroun a engagé sa politique des grands chantiers qui permettra d'accroître la demande annuelle. D'après certains observateurs et des professionnels dans le secteur, il est estimé à environ 8 millions de tonnes en ciment par an. On observe qu'il y a des freins au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, qui ne permettent pas de dynamiser et d'ouvrir ce secteur à la forte concurrence. Les ciments du groupe nigérian Dangote produits au Cameroun sont composés de 60% de clinker, 35% de cendres volcaniques ou de la pouzzolane achetée localement et 5% de gypse. Pour un début, l'usine Dangote de Douala emploiera de façon permanente 77 Camerounais et 11 expatriés ainsi que 250 ouvriers temporaires par mois. La Côte d'Ivoire mise sur le tourisme. Le pays souhaite améliorer sa desserte aérienne et son offre d'hébergement. La réhabilitation de l'ancien Club Med dans la zone balnéaire d'Assini à Senouende pourrait annoncer le retour du pays parmi les destinations touristiques africaines. L'investissement est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Au total, le secteur touristique aurait bénéficié de plus de 200 milliards de francs CFA d'investissement ces 5 dernières années. Sa part dans le PIB ivoirien est ainsi passée de 0,6% en 2011 à 4,3% l'an dernier. Après avoir reçu 470 000 visiteurs en 2014, la Côte d'Ivoire vise 500 000 touristes en 2015 et 1 million à l'horizon 2020. L'Afrique centrale s'engage à œuvrer pour l'inclusion financière. Il s'agit de permettre l'accès aux services financiers formels pour un plus grand nombre de personnes. Parmi les initiatives pour son amélioration, la Banque centrale d'Afrique centrale a parlé de la mise en place d'un fonds de garantie qui compterait aujourd'hui 100 milliards de francs CFA. La bancarisation est notamment portée sur les conditions d'amélioration de l'accès au crédit qui ne concerne au plus que 20% de la population ayant une source formelle de revenus. Comment expliquer alors ce faible taux de bancarisation? Élément de réponse avec Maïs Mouissi, éditorialiste. Le taux de bancarisation en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale, peut s'expliquer par deux facteurs. Le premier est que les réseaux bancaires ne sont pas suffisamment denses. Ainsi, en milieu urbain, on aura des réseaux bancaires élargis et en milieu rural, on aura des déserts bancaires et financiers. Ainsi donc, une forte partie de la population qui est essentiellement rurale n'a pas accès aux services bancaires. D'autre part, c'est l'offre des services bancaires qui n'est pas nécessairement adaptée à la population africaine. On a calqué des modèles occidentaux, on n'a pas créé des services suffisamment adaptés aux populations et donc les populations ne se reconnaissent pas. Et un troisième facteur subsidiaire est celui de dire que les banques s'adressent en particulier aux grandes entreprises et ont délaissé la clientèle des particuliers, estimant pour la plupart qu'elles ne disposaient pas suffisamment de ressources intéressant les établissements bancaires. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains et en Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée. L'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,30%, à celui de Nairobi est à la hausse de 0,28% et la bourse du Botswana est en baisse de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 0,60%. La BRVM d'Abidjan est également en hausse de 1,68%. Et la bourse du Ghana augmente de son côté de 0,04%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien est à la baisse de 0,07%. L'indice égyptien perd 1,59%, de même que la bourse marocaine qui perd 0,12%.
Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.